Dans les fournitures de matériaux pour construire des routes, construire des bâtiments, on a besoin de granulats, on a besoin de matières minérales. On a besoin de grosses quantités de matières minérales. La matière minérale, c'est 5 tonnes par an et par habitant. C'est la deuxième ressource la plus consommée après l'eau. Donc, je pense qu'on a là un champ d'investigation au sein d'Eurovia et de Vinci pour arriver à utiliser le bon matériau pour le bon usage, au bon endroit. Et l'économie circulaire, c'est ça, c'est d'arriver à utiliser le matériau au bon endroit, en proximité. C'est une question d'efficacité, c'est une question économie de ressources naturelles en utilisant des matériaux de recyclage, mais aussi économie de transport, parce que si on est en proximité, évidemment, moins de camions sur les routes, moins de CO2, s'il y a moins de transport, il y a évidemment moins de CO2. Chez Eurovia, on a développé autour de cette activité-là une marque qui s'appelle Granula Plus, qui fédère l'ensemble de nos entreprises locales, parce qu'on pense qu'on est plus efficace localement avec des entreprises locales. En revanche, on a un concept d'utilisation la plus efficace possible de la ressource, et on fait ça sous ce concept. Alors, par exemple, on peut utiliser aussi bien pour faire des routes des déchets qui proviennent d'anciennes routes, que par exemple des mâchefers d'incinération d'ordures ménagères, donc quelque chose qui vient de l'incinération des ordures, la matrice minérale qui reste, on arrive à la traiter et à la recycler, ou par exemple un laitier qui vient d'un haut fourneau. Donc là, il y a un lien avec l'industrie. Donc voilà, lien avec les collectivités locales dans le cadre des ordures ménagères, lien avec le monde de la construction pour les déchets du bâtiment et travaux publics, puis lien avec l'industrie. Et à chaque fois, localement, on essaye de trouver la meilleure solution. On est déjà sur une histoire un petit peu ancienne parce que historiquement, on a toujours travaillé ces sujets-là. Mais évidemment, en ce moment, les choses s'accélèrent. Et par exemple, le béton, aujourd'hui, n'est pas fait avec des granulats recyclés. Et on est en train d'étudier des formulations spécifiques qui permettent d'intégrer des granulats recyclés dans le béton.